Non, c'est Jacky Poto, moi originaire de Miambalé et moi grandi Miambalé, moi quitté pays en 1987, ça fait longtemps et j'étais dirigé vers les États-Unis et l'autre bois arrivé apprendre anglais et puis faire une première maîtrise dans social work, côté je dis c'est un travailleur social. Et puis l'autre maîtrise me fait dans informatique médicale et ça nous relé en medical informatics. Donc une passion moi c'est vraiment aider la communauté et c'est ça que fait. Moi-même avec quelques collègues et 2 ans de ça nous avons établi Innovative Learning Concepts ILC qui c'est une plateforme qui établit dans Miambalé pour aider jeunes professionnels continuer à étudier en ligne et par la suite travailler en ligne parce que je dis ou capable de faire tout ça grâce à la magie de la technologie. Donc qui ça ALC est exactement. ALC c'est une plateforme dans qu'on dit qui établit Miambalé côté nous offre en pile programme et youn yo c'est tout d'abord apprentissage langue anglais. Et nous même cap suivre kounya là nous capable réaliser que et nous aller sur internet là à peu près 60 à 65% dans website qu'on ouvre une en langue anglais. Pour ça parce que l'anglais révélé en langue internationale et c'est une langue que vous servez en pile dans le commerce et puis dans l'informatique parce que c'est très très difficile je dis à la pour arriver dans le pays et puis c'est l'anglais seulement parler pour pas venir au monde qui est capable d'aider. Donc en dans ALC nous croyons dans ça et c'est ça qui fait commencer avec apprentissage anglais. Nous offrons 3 niveaux et anglais côté pour débutants sous pas qu'on a rien du tout dans la langue non n'a chita avec vous nous et montre anglais et puis devant nous capable et passer dans niveau intermédiaire côté où commencer capable d'entendre ou commencer capable former des phrases et puis nous passer dans niveau avancé côté pour qu'on tout capable continuer à apprendre langue davantage. Donc ça c'est anglais et ça nous a aimé vienne faire par la suite c'est arriver et transformer nous en Sanorelon Testing Center. Par exemple, si on voulait faire SAT ou voulait venir prendre un test TOEFL, nous voulons par la suite transformer le building à LCA en côté pour capable de venir prendre un test SAO et nous reconnu par l'autorité qui a permis que le test SAO nous administre. Donc, ça, c'est parti anglais. L'autre programme tout que nous offrons en dans à LC, c'est un programme qui est pour avec coding. En anglais, c'est le coding. Mais c'est ça qui est la programmation ordinateur. Tant que téléphone qui n'amène aujourd'hui, il y a des programmes écrits pour lui, il y a des logiciels de relais ça ou bien software, en tant qu'à relais ça en anglais. Côté ou capable montrer, il y a un monde comment le capable écrire programme pour téléphone non, écrire programme pour tablette et Android surtout qui n'amène. Côté y a un jeune garçon, jeune fille qui est en Haïti kounia, il n'est pas obligé nécessairement déplacer, aller dans l'autre pays pour lui aller chercher travail, mais là en Haïti, depuis le gain bête sous lui. Il a une bonne compétence, il est capable d'aller dans une série de websites sur internet à côté, il est capable de poster profil et permettre que les joignent travail. Troisième programme nous offre en dans ALC, c'est un programme qui vient pour avec entrepreneuriat. Côté par exemple dans l'été 2019 là, nous avons près de 45 jeunes garçons, jeunes filles qui ont participé sur une période de 6 à 7 week-end, yo vini, yo apprennent différents modules qui capable permettre yo vraiment mener, administrer yon business, même si pas jamais gagné en ken et background sur ça, en ken compétence sur ça. Yo capable faire li côté non gagné en pile expert dans zone là, nous té même gagné un représentant Banque de la République d'Haïti qui devini et puis parler d'une série de programmes accès à crédit que capable offrir jeune entrepreneur. Donc ça, c'est un programme, par la suite, nous voulons détailler, parce que ça, notre balance, c'est juste un avant-goût. Mais nous avons un programme, nous travaillons sur lui, qui a duré à peu près 1 an, côté nous sommes vraiment capable de chita, et puis en détail, apprendre comment nous sommes capables de gérer un business, genre ça supposé gérer. Parce que une des choses nous réalisons en Haïti, c'est que et ça, nous, les services à la clientèle, là, sont presque à zéro. Et le client est roi. The client is king, the customer is king, tant qu'on dit ça en anglais. Donc, si vous ne gérez pas le client bien, c'est difficile pour gagner un business venir jouer nous et pour qu'un client ait déjà gagné. Donc, ça, c'est le troisième programme nos fruits dans ALC. Et le quatrième programme,
C'est un programme qui vient simplement à mener une série de conférences, de séminaires qu'il a fait, surtout Port-au-Prince, mener et conférences à Ovini, ni dans la ville de province. Nous avons le salon du numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation du plateau central. Abréviation, c'est SNEPC. Et qui s'allie en général, c'est un événement que nous faisons annuellement. Nous avons lancé et mis en balai dans l'hôtel Fortress 24 août 2018. Et année ça, nous avons fait le 5 et 6 décembre dans une bibliothèque tout neuf qui a ouvert dans la ville Hinche. La fête 5 à 6 décembre, côté n'a bien à peu près 20 intervenants. Et nous estimons que foule n'a bien avec nous, là à peu près 300 jeunes garçons et jeunes filles. C'est n'importe monde qui, par exemple, dans la classe seconde, retour bien philocounien, monde qui est professionnel déjà tout, qui est intéressé à connaître beaucoup plus et à propos de technologie, parce que c'est trois thématiques que nous allons traiter dans l'événement ça. C'est innovation, c'est ça nous relais numérique ou bien informatique avec entrepreneuriat. Donc, au même cap garder nos kounia là, qui est curieux de sa technologie et qui est curieux tout de comment nous sommes capables d'utiliser la technologie en dedans. Entrepreneuriat, en dedans innovation, nous invitons à rejoindre nous 5 à 6 décembre et dans Hinch à travers la plateforme que nous avons lancée qui est SNEPC 2019. Nous avons la bonne chance d'avoir deux volontaires qui sont avec nous dans ALC, c'est Élisée Arist et Stanley Louis qui pourront partager avec vous l'expérience. Non, c'est Élisée Arist. Moi, je suis un volontaire ALC depuis 6 mois et moi, j'ai fait terminer toute classe. Moi j'étais content. Na ALC là ont lancé annonçant que j'étais besoin de volontaire. Et pour que ça me batte trop gros bah il m'a fait. Mais les m'ont dit annonçant moi j'étais intéressé. On m'a pas passé si c'est ton bail qui était important comme ça pour bien dire. Mais au fur et à mesure m'a évolué en dedans pour bien dire comme si moi la caille moi mieux. Parce que le bail m'a compte que j'ai pour moi un ordinateur. Ah mais chaque jeune vient faire mes messieurs à parce que j'ai l'avantage. Pour anglais, pour participer là-dedans régulièrement. Si on gagne dedans, on est libre pour suivre, gratuit. Mais j'aime pas évoluer dans la technologie. Même si je suis beaucoup fin bon, j'aime commencer, même j'ai ensemble avec nous. Moi c'est Stanley Louis, moi j'ai 21 ans. Moi c'est une volontaire à LCO. Bon, l'autre jeune d'assez vous avez fait même expérience là parce que ALC offre jeune nous-mêmes qui volontaires dedans une bonne opportunité pour anglais pour apprendre gratis dans ALC et toute l'autre formation ALC gain pour offrir l'autre monde ou même qui en dedans ou venir gratis. Par exemple, grâce avec ALC, je dis à me faire partie staff Biggest Productions. C'était un plaisir pour moi d'être avec aujourd'hui ensemble à nous préparer génération 2030.